Alors justement, votre frère, il a lu votre livre ? Oui, normalement, il l'a lu. Et il m'a dit que j'étais bien, puis c'est tout. On se parle pas beaucoup. Nous, c'est une famille de, comme on dit dans le Berry, de taiseux. Il y a beaucoup de gens qui sont des taiseux, et ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'on s'aime, qu'on ne s'aime pas. Au contraire, moi, je pense que moins on dit de choses, mieux c'est. Au moins, comme ça, il n'y a pas trop de bêtises et de contradictions. Je lisais une interview parmi tant d'autres, parce que vous en avez fait pas mal dernièrement. Oui, ouais. Et j'en ai encore. Ça, c'est la bonne nouvelle, il y en a encore plein d'autres dans les cartons. Je disais qu'il y a fait, ça rejoint ce que vous me dites là aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de... Quand on vous demande comment va votre frère, par exemple, aujourd'hui, vous avez répondu à un journal. Je sais qu'il va bien parce que je le sens, mais je ne vais pas forcément tous les jours au téléphone, mais je sais que là il va bien, et je sais quand. C'est intéressant de dire ça. Je pense que dans toute la famille ça doit être comme ça. Moi je ne vois pas mes frères et sœurs qui se téléphonent tous les jours pour dire comment tu vas. Mais moi je sens quand il ne va pas bien. Je sens quand ça va très très mal, là je téléphone. Quand j'ai su tous les problèmes qu'il avait eu avec ce nouveau gouvernement, enfin certaines personnes dans ce gouvernement. Dans ce gouvernement, parce qu'avant c'était nouveau, après les élections, des problèmes qu'il a eu concernant une certaine personne, j'en ai parlé, donc, et ben je l'ai appelé, il m'a dit, ne t'inquiète pas, là, c'est rien, ce n'est qu'un passage. Et il a raison, ce n'est qu'un passage. Est-ce que il est très aimé des Français, votre frère ? Est-ce que vous trouvez qu'il est aimé à sa juste valeur ? Moi je pense, oui, ouais. Je pense qu'il est aimé parce que à sa juste valeur, si on veut. Parce que c'est quand même un personnage quand il fait un film, c'est quand même un monstre de talent, de génie. Dans la vie, on sait ce qu'il peut faire, il a des coups d'éclat. Moi je pense qu'il ne faut pas le juger, ceux qui le jugent sont des jaloux. C'est ceux qui ne peuvent pas faire exactement comme lui. Et donc, moi ça me fait rire. Quand on m'appelle en disant, t'as vu ton frère, il était bourré, il est rentré. Mon pauvre vieux, si tu m'appelles pour me dire ça, écoute, je pense que tu ferais mieux de fermer ta gueule. Parce que toi, si je voulais remuer les gamelles que tu as derrière tes fesses, là je pourrais le faire. On a tous des gamelles au cul. Ouais, on a tous des gamelles au cul. Donc si on commence à les sortir. Moi, j'ai des fesses au ridicule. Je gêne un peu pudique. Ouais, mais moi. Je suis sur le web, j'ai pas la pression de la télé, donc du coup je suis plus dans la proximité. Vous pouvez y aller si vous voulez. Ah, je peux y aller. Alors, on est naturel. C'est vrai qu'on est naturel, ouais. Alain Depardieu, finalement, ce bouquin, moi je l'ai lu, c'était très, très joli parce que ça remet quand même les choses à leur place dans l'humain. C'est une déclaration d'amour à votre frère, tout en étant un homme pudique, on sent que vous êtes pudique. Je pense que c'est une déclaration d'amour. Fraternel. Ouais, une déclaration d'amour fraternelle, exactement. Il n'y a pas d'incestueux là-dedans, comme vous voyez. Non. Ça n'a rien à voir. C'est fraternel et j'ai envie de lui dire, étant donné que lui, est-ce qu'il est capable de me le dire ? Peut-être qu'il me le dit, on se le dit dans le regard. Parce que on a cette force et ce regard, d'abord on nous dit toujours qu'on a un regard qui tue. Mais on ne l'a pas avec tout le monde, on a le regard qui est très sensible, qui est très... On dévisage, on regarde profondément à l'intérieur de celui qui est en face de nous. Et là, tu ne peux rien nous cacher, on ne peut pas nous cacher l'histoire. On ne peut pas nous cacher, je vois tout de suite le mec qui ment, je vois tout de suite le mec qui me fiote, parce que dans ce métier, j'en ai eu, je vois tout de suite un mec qui me raconte des conneries, donc je ne lui dis pas tout de suite. Je regarde, je dis oui, mon pote, on va se revoir et t'inquiète pas. Le temps passe vite, donc dernière question, Alain. Vous êtes producteur de cinéma, votre frère est un grand acteur chez nous et même ailleurs. Vous aimeriez faire un projet ensemble un jour ? On a déjà fait Danton, Martin Guerre, on a fait Je vous aime, on a fait Maîtresse. Aujourd'hui, bien sûr que j'aimerais. Pas aujourd'hui, demain. Mais là, c'est différent parce que je veux vraiment. Qu'il soit vraiment ce qu'il est, c'est-à-dire Gérard Depardieu, dans un film très très important, un rôle extrêmement puissant, parce que Gérard a besoin de ces rôles-là, et puis aussi un metteur en scène qui soit à la hauteur, c'est tout. J'ai pas envie de travailler avec des gens qui se croient
les lumières, et ces gens-là, je les laisse à ceux qui veulent bien les produire. Moi, je cherche toujours une histoire et un bon faiseur, un bon metteur en scène. Alain Depardieu, un grand merci pour l'entretien. Je rappelle le titre du livre « Mon frère » aux éditions L'Archipel. C'est votre actualité et on en parle beaucoup actuellement. Un grand merci à vous. Merci, Charles.